Bon dimanche chez vous. Nous sommes contents d'être ensemble. Oui. Parce que on peut être ensemble dans une fête. On peut être ensemble pour compatir avec quelqu'un comme ma sœur vient de perdre son grand frère. Parce que nous, Dentchang, c'est une famille, vous voyez, donc. Alors, il y a l'une de ma soeur qui a perdu son grand frère à Nigeria, à qui je souhaite mes sincères condoléances. C'est pourquoi je dis que non, on pouvait être là ensemble pour compatir avec quelqu'un qui a perdu tout son frère, aussi quelqu'un de sa famille, un ami. Mais il y a un endroit qui est plus important. Quand nous nous rassemblons, c'est quand nous sommes tout autour de la parole et on parle de la vie. C'est ce qui est plus important que tout le rassemblement qu'on pouvait y avoir. Vous comprenez? Donc cela veut dire, c'est ce qui nous amène ici. Alors je souhaite mes sincères condoléances à ma sœur ici. Ngassa, elle aime beaucoup la parole. Comme d'autres sœurs aussi, que je pouvais citer les noms ici, la sœur Jessie en Angola, sœur Claudine, vous êtes nombreux, je n'oublie pas d'autres qui sont à Londres, France, que Dieu vous bénisse richement à Kinshasa, et ceux qui sont à Pretoria, Johannesburg, que Dieu vous bénisse. Gabon, nous sommes avec vous, Côte d'Ivoire, Cameroun, vous qui êtes au Canada, que Dieu vous bénisse richement. Nous aimons toujours parler de la vie, vous voyez. C'est pourquoi nous sommes venus dans cet endroit, là où il y a un peu de l'air fraîche, pour essayer un peu de parler de la vie. Nous ne serons pas longs. Voilà, nous allons lire les Écritures rapidement. Comprenez, je suis dans un endroit inhabituel, donc c'est pourquoi je regarde un peu de par-ci par-là. Voilà. Mais nous savons que Dieu est au contrôle de tout. Parce qu'avant de venir ici, nous lui avons demandé que le Seigneur puisse nous accorder un bon endroit qui est inhabituel, que nous puissions parler de la vie. Vous voyez? Donc nous allons lire dans les livres de Daniel, chapitre 9. Vous allez m'excuser, je sais que vous êtes entré comme Papa Simo m'avait dit l'autre fois, il faut chercher à avoir un wireless, donc cela veut dire les micros sans fil. Donc pour le son, vous allez m'excuser, il y a aussi un bien-aimé qui m'a reproché de cela en Luanda. Vous savez, nous nous débrouillons avec nos petits moyens pour essayer de faire quelque chose pour le royaume. Et je vous promets, la prochaine fois, nous allons même faire un effort de vendre quelque chose pour que nous puissions y arriver. Vous comprenez? Donc, pour que le son puisse être vraiment agréable à vos oreilles. Voilà, nous sommes dans un endroit très calme, mais les problèmes que le véhicule passe, ainsi de suite, essayons un peu d'être compréhensif envers nous. Nous allons lire dans le livre de Daniel, chapitre 9, nous commençons au verset 20. Jusqu'au verset 26, nous allons lire ensemble avec vous. Voilà pour la gloire de l'auteur de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète parle ici. Nous lisons. Je parlais encore. J'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sorti et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Voilà, un ange qui vient du ciel, s'il t'appelle un bien-aimé,
Voyez combien vous allez sentir si aimable dans les lieux célestes. Alléluia. Tout se passe par la foi. C'est pourquoi nous avons parlé le dimanche passé sur la bataille qui n'a pas été livrée. Donc le titre, nous avons mis la bataille qui n'a pas été vaincue. Non, ce n'était pas comme ça qu'on devait y écrire. Vous allez m'esquisser, vous allez nous esquisser. Il fallait qu'on puisse écrire la bataille qui n'a pas été livrée. Donc cela veut dire Jésus a livré toutes les batailles sauf notre pensée. Mind. Donc cela veut dire ici, c'est vous-même qui devez combattre parce que Jésus, tout ce qu'il a livré, il l'a vaincu, il a mis ça à notre disposition. Comme nous avons dit, les prophètes de Dieu nous dit l'arme est la plus puissante. La bombe atomique que Dieu nous a laissée, c'est la parole. Donc la seule chose que vous devez faire, mettez-moi, mettre cette petite parenthèse ici pour parler un peu de ce que nous avons dit, parce qu'on a écrit là-bas conclusion sur la bataille qui n'a pas été livrée. Voilà, donc qui n'a pas eu lieu. Donc, cela veut dire que vous devez combattre les cinq sens de ce corps ici et vous devez combattre les cinq sens de votre esprit et de votre âme, pardon. Voilà. C'est là, nous avons parlé de l'imagination, les raisonnements, les mémoires, les affections. Voilà. Donc, cela veut dire sur ces cinq-là que vous devez combattre et les cinq qui est de ce corps, l'ouïe, l'odorat, les toucher, ainsi de suite. Donc, les 10 là, de ce corps et les 10, les 5 de ce corps et les 5 de l'âme, c'est ceux qui combattent votre esprit. Et si vous n'êtes pas à mesure de les combattre, vous serez toujours quelqu'un qui joue aux échecs. Vous comprenez? Pour ne pas être un homme ou une femme qui joue aux échecs, la seule chose qui pouvait faire en sorte que vous puissiez être fort sur votre marche avec Christ, c'est la foi. Et la foi devait avoir lieu au niveau de votre esprit. Comme nous avons dessiné trois figures, vous comprenez, invisiblement, donc nous avons mis un petit cercle. Le petit cercle là représentait votre esprit. Celui qui suivait, c'est votre âme. Et le plus gros qui encerclait le 2, c'est ce corps ici. Vous comprenez? Et ce qui est à l'intérieur de votre intérieur, votre esprit là, quand il est animé par la foi, vous comprenez, comme le Seigneur avait dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que quand vous recevez dans votre réceptacle, sans pour autant raisonner la parole au niveau de votre âme, sans pour autant réfléchir, vous comprenez? Cela veut dire essayer un peu d'examiner. Non. Dire amen à chaque ainsi dit l'Éternel tel que cela est écrit, tel que cela nous est révélé. Et vous aurez une bonne marche et vous ne jouerez jamais aux échecs dans votre vie. Vous comprenez? À votre marche avec Christ. Parce que le Seigneur a tout mis à notre disposition. C'est pourquoi nous avons dit que non, la bataille qui n'a pas été livrée. Pourquoi? Parce que vous avez le libre arbitre ici dans votre main. Comme Dieu est bon, il a mis à la disposition de ses enfants. Vous comprenez? Sa parole qui est lui-même afin de vaincre les malins. Mais Ève, la femme qui représente l'église dans les jardins d'Éden, a écouté les malins qui étaient venus lui faire raisonner sur la parole de Dieu, la chose qu'elle ne pouvait pas faire. Elle pouvait simplement se tenir à la parole, vous comprenez? Comme Marie s'est tenue à la parole, n'a pas discuté avec l'ange, elle a dit amen à chaque iota de la parole en revenant de l'église, vous comprenez? Donc, quelle que soit la maladie, les cancers, tout ce qui pouvait vous déranger, si vous vous mettez à la parole, vous dites, le Seigneur t'y a dit, Père t'y a dit, mon Jésus-Christ Sauveur t'y a dit, tout est accompli. Si vous vous tenez là-bas, vous allez voir que non, le cancer aura la solution même par l'huile d'olive, par l'eau, vous comprenez, par n'importe quelle chose naturelle de Dieu que vous allez prendre, l'utiliser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous aurez votre guérison. Mais si vous doutez au niveau de votre esprit, vous comprenez, vous allez voir que non, la chose n'y arriverait pas. Et même les médecins seront incapables de vous amener. Donc cela veut dire de vous soigner. Voilà. Parce que la guérison vient de Dieu. Alors que Dieu veut à ce que au niveau de votre esprit, vous devez avoir
la foi. La seule chose qui pouvait faire en sorte que non, vous puissiez tenir sur tout le piège des tentations, des embûches qui peuvent vous arriver. Et vous y arriverez. Vous comprenez? Et vous allez vous tenir parce que il vous a donné la promesse. Vous comprenez? Si il est juste et fidèle, vous allez voir que cela va s'accomplir dans votre vie. Voilà. Donc cela veut dire la parole de Dieu est infaillible à tout point. Si vous avez besoin du boulot, si vous avez, donc vous avez tout ce que vous en avez besoin, si vous tenez Dieu au mot, il vous répondra. Il vous répondra. C'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas de la manière qu'on enseigne les gens aujourd'hui. Vous comprenez? Nous ne vivons plus le temps des apôtres où le baptême du Saint-Esprit, c'était par des fois l'imposition des mains. Dans ce temps ici, c'est le temps de la connaissance. Parce que la révélation des sceaux, vous comprenez, nous a été donnée. Voilà. Si les sceaux ont été cachés, on allait peut-être rester là-bas. Mais depuis que les sceaux ont été ouverts, vous comprenez, c'est quelque chose de mystérieux. Donc cela veut dire, c'est l'union invisible, c'est le temps de l'union entre l'époux et son époux. Donc Christ avec l'Église qui est son époux. Vous comprenez? Donc c'est le temps que chacun de nous puisse entrer en communion avec lui et former un seul corps. Vous comprenez? Donc voilà. Quand nous sommes deux, trois, quand tu es seul, vous comprenez, dans ta chambre, tu dois former un seul corps avec ton Sauveur, Seigneur. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si vous vous tenez à la parole et vous prenez Dieu au mot, sachez-le que Dieu viendra et il va répondre. Vous comprenez? À votre demande, à votre supplication, à vos prières. Vous comprenez, à vos âmes l'écrit. Alors continuons à lire le prophète Daniel et puis nous allons parler de ce que nous avons à parler ce dimanche ici. Vous comprenez, conformément à ce que les gens ont par rapport à leur doctrine et certaines choses que les gens en ont. Nous étions sur le verset 23, maintenant on avance sur le verset 24. Donc pour vous qui entre, partager et puis aimer, vous comprenez, c'est pour la gloire du Seigneur, pour que nous puissions se sauver les uns les autres. Nous sommes maintenant dans Daniel chapitre 9 et on a lu verset 23, maintenant verset 24. Voilà. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre les saints de saints. 25. Sachez-le donc, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, le Messie, il y a 7 semaines et 70 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais à de temps fâcheux. 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme... Oh, c'est bon, vous allez m'excuser. Voilà. Comme dans une inondation. Alléluia. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est là où que nous allons commencer notre enseignement de ce dimanche ici. Vous comprenez, soit nous pouvons dire notre leçon de l'école du dimanche. Nous avons lu Daniel chapitre 9. Nous avons commencé au verset 20 jusqu'au verset 26. Mais c'est vraiment très agréable quand on lit Daniel chapitre 9 au complet. Ça fait vraiment du bien. Voilà, en lisant cette histoire, quand quelqu'un fait sa repentance, il entre dans sa chambre, il entre dans un lieu secret, il part avec Dieu en confessant sincèrement
au fond de son cœur, en synchronisant, soit en mettant ensemble son corps, son âme et son esprit, en s'abandonnant dans le Seigneur, vous voyez voir même, vous allez voir que des larmes coulent, et vous oubliez ce que vous êtes, vous comprenez, vous regardez votre vie, vous regardez la grandeur de Dieu, oh, vous vous voyez comme nul, vous vous voyez comme si vous, c'est vous qui, donc, qui avez crucifié Christ à la croix. Vous comprenez, vous vous condamnez vous-même, c'est à ce moment-là que Dieu vient et vous bénit. Vous comprenez, d'une bénédiction impérissable qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que Dieu nous donne un esprit de discernement afin de comprendre tout ce qui se passe dans des églises, dans le monde. Vous comprenez, dans des systèmes que le diable a implantés, dans des organisations, dans des loges. Vous comprenez, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre les choses qui se passent dans votre famille, dans ta vie, et vous allez examiner beaucoup de choses. Vous allez voir que non, il y aura toujours une voix qui vous parlera, vous comprenez, sans pour autant aucun effort ou soit le soutien d'une organisation ou soit d'un prophète quelconque. Voilà. Nous avons pris ce sujet parce que j'ai discuté avec un... On n'a pas vraiment eu le temps de discuter, si je peux dire. C'était simplement... des petits échanges, vous comprenez? Je mets ce frère-là, ce serviteur-là, je lui ai appelé d'abord révérend, il est à Kinshasa. Pourquoi est-ce que je dis que je lui aimais? Parce que l'esprit duquel il parlait avec moi, vraiment, sans vous mentir, c'était vraiment très appréciable. C'était sur WhatsApp, vous comprenez? Il me parlait sur ce qui concerne l'adoration, vous comprenez? Il a dit que non, vous continuez toujours à adorer contrairement aux Écritures. Vous comprenez? Quand il disait cela. Alors je me suis posé la question, j'ai dit que non, on adore contrairement aux Écritures, comment? Et il m'a dit que non, non, parce que on devait adorer le sabbat. Vous comprenez? C'est le sabbat. Le jour où vous adorez, vous amenez les gens à adorer. Donc cela veut dire le dimanche, pastin. C'est une abomination, ce n'est pas correct aux Écritures. Donc cela veut dire, l'évangile vient des Juifs. On devait toujours faire les choses selon ce qu'eux ils faisaient, conformément à ce qui est écrit. Alors j'étais là, j'étais un peu ému. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, l'esprit duquel qui parlait avec moi. C'est ce qui vraiment me touchait beaucoup. Voilà, je voyais que non, quelqu'un, quand, en lui entendant, et puis à la fin, la manière quand il parle, il dit oh, alléluia, alléluia. Moi, j'ai dit, oh, j'ai aimé cette onction-là. Vous comprenez? J'ai aimé cette façon de parler, parce que quand vous voyez quelque chose dans l'un de vous, et des fois, ça fait du bien. Mais cela m'a poussé, parce que ce n'est pas simplement lui. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui nous ont amené à dire que non, nous devons aller là-bas, essayer d'adorer Dieu selon les Juifs, avec leur langue, et appeler Jésus selon de la manière qu'ils appelaient Yeshua Mashiach, nous avons vu, même des chants. Vous comprenez, les gens ont commencé à chanter cela dans des chants, et dans leurs chansons, vous comprenez cela, et les gens sont habitués, j'étais par pied dans le monde. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et. Alors que je vous ai dit, si on reste dans une dispensation d'hier, là, on adore Dieu dans le passé. Alors on ne peut pas adorer Dieu dans le passé, c'est un système diabolique. Vous comprenez? C'est ce que le diable a instauré. Vous comprenez? C'est un système diabolique. Je vous ai parlé de l'esprit du crapaud. Vous comprenez? Les crapauds, c'est un signe que les gens de loge utilisent. Ils mettent les crapauds là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ce que les diables utilisent. Vous allez voir, les crapauds, ils avancent comme ça, mais il a les yeux derrière. Alors, il avance comme ça. Quand il saute, les yeux sont derrière. Il arrête, il s'arrête, il regarde derrière. Non. Mais toute créature que Dieu a créée, quand on avance, on devait avancer. On regarde là où on avance. Vous comprenez cela? Si on peut regarder en arrière, c'est essayer un peu de voir sur là où nous avons commis des erreurs pour essayer un peu de réparer cela et avancer. Vous comprenez? Donc cela veut dire, le Juif
Et nous venons de lire ici que Daniel parlait que non, seront rétablis et puis et après le Messie va venir, à que quand le Messie va repartir, ils n'auront plus un successeur. Vous comprenez? Nous allons lire les Écritures ici. Il y en a beaucoup que nous avons préparé. C'est pourquoi nous essayons un peu d'être un peu court sur certaines phrases pour essayer un peu d'avancer un peu. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à tel point à crucifier leur propre Messie? C'était à cause de quoi? Suivez-nous très bien. Ce matin, nous parlons, c'est comme une leçon de l'école du dimanche. Vous comprenez, le dimanche. Parce qu'ils sont restés avec ce que Moïse parlait, alors que quand Moïse et les prophètes, ils étaient là avec eux, c'était la dispensation du Père. Suivez-moi très bien, je vous en prie. Je sais que beaucoup de gens, ils ont leur doctrine et beaucoup de choses qu'on leur dise dans des églises. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune église, il n'y a aucune doctrine ecclésiastique qui nous amènera devant Dieu. Cette parole bien interprétée avec qu'une seule doctrine qui est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est ça la doctrine que nous venons ici pour vous prêcher. Hébreux 13 et 8. En dehors de cela, tous sont des fables. Vous comprenez, ce sont des choses pernicieuses qui nous amènera nulle part. C'est pour nous enrichir et faire des grands noms et ainsi de suite. Vous comprenez? Et voyager, voilà. Avoir des grandes congrégations et grands amphithéâtres comme à Limete, à Kinshasa, au Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais la vie en soi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les gens nous amènent dans le passé. Vous comprenez? Alors qu'on vous dit à chaque fois ici que non, la manne Dieu, Dieu les a interdits de ne pas manger la manne Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a dit que non, chaque fois il pourvoira pour nous la manne de chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Si vous essayez de prendre la manne entière, vous mourrez. Voilà. Donc ça veut dire que les écritures ne se contredisent pas. Dieu est juste et parfait. Vous comprenez? C'est pourquoi nous venons ici pour chercher le parfait, la perfection. Ne regardez pas à vos erreurs. Vous êtes une créature. Vous comprenez? Mais il a pourvu pour nous le sang. Vous comprenez? Et par le sang, nous nous sanctifions quand nous sommes justes et fidèles à lui. Quand nous commettons des erreurs, nous venons, nous mettons nos vies en ordre et nous avançons avec elle. Voilà. Mais l'horreur qu'ils ont commis, c'était quoi? C'est ce que nous commettons jusqu'aujourd'hui avec des doctrines. Vous comprenez? En donnant des raisons, comme ce révérend-là m'avait donné des raisons en disant que non, c'est que nous sommes en train de faire d'adorer le Seigneur le dimanche, ça vient des catholiques. Ça vient de la colonisation, tout ça, toutes ces histoires qu'il a poussé des arguments, moi je lui ai dit. Donc cela veut dire, ça ne vient pas des écritures, mais ça vient des catholiques, ça vient de la colonisation, ainsi de suite, quand les missionnaires catholiques sont venus, quoi? En Afrique, moi je dis non, je ne crois pas à ça. Alors j'étais un peu occupé. On s'est limité, je lui ai dit, bon, je ne suis plus à la maison, je viens de quitter, mais nous allons continuer cela. Et l'Esprit m'a dit que non, ce n'est pas simplement à lui seul, tu dois parler de ça, vous allez parler de ça comme une leçon de l'école de dimanche, non seulement pour lui, mais pour beaucoup de enfants de Dieu ou de fils de filles de Dieu qui ont soif et faim de l'eau de la vie qui est Christ. C'est pourquoi nous sommes venus ici avec des versets bibliques qui sont ici, qui va nous montrer que non, la dispensation d'hier, quand Dieu traitait avec les Juifs, vous comprenez, ce n'était plus, donc ce n'est pas notre dispensation à nous. C'est la raison pour laquelle que je vous ai dit que non, s'ils avaient compris que non, la dispensation a changé, ils n'allaient pas crucifier Christ. Vous comprenez? Mais comme il restait là, l'esprit du crapaud les a aveuglés. Dieu l'a permis. Vous comprenez? Voilà. Pour nous gracier. Vous comprenez? Nous allons y arriver avec les Écritures. Dieu
a permis cela. Alors que eux, il fallait qu'ils puissent comprendre ce que le Seigneur leur disait dans Jean 8, dans plusieurs écritures, en leur disant que Moïse n'a parlé de moi dans Deutéronome. Vous comprenez? Dans plusieurs écritures, le prophète parlait du Messie. Du Messie, comme même l'ange Gabriel disait au prophète Daniel ici. Mais ils ont vu le Messie qu'ils attendaient. Vous comprenez? Ils prennent ce qui est passé, ils ramènent ça pour montrer au Messie qui est l'auteur de la parole, comme les gens font ça aujourd'hui. Ils corrigent Dieu. Vous comprenez? Il venait là corriger la parole lui-même, alors qu'il devait rester avec celui à cause de quoi ils avaient une conception ecclésiastique que les gens ont aujourd'hui. Comme ils entendent Jésus va venir, ils vont le voir dans le ciel comme ça venir. Mais s'il vient dans le ciel de l'Afrique du Sud, ceux qui sont en Kinshasa, vous comprenez? La sœur Katumba, il est à Botswana, à Gaborone, comment est-ce qu'il va voir Jésus? La sœur Cynthia à Kinshasa, comment est-ce qu'il va voir Jésus? Becky, tu verras Jésus comment? Vous comprenez? S'il apparut dans le ciel d'Arizona, disons, ou soit dans le ciel du Canada, parce que, remarquez, nous vous ont dit, quand l'avion quitte ici, on parlait avec une sœur qui venait de Londres, qui était venue nous visiter ici. Elle disait que non, quand on a quitté, elle était dans l'avion de KLM. Donc KLM, l'avion des Hollandais. Ils ont quitté l'Angleterre, London, sont allés vers Amsterdam, Schiphol. Et quand ils ont quitté Schiphol pour venir en Afrique du Sud, elle regardait comment est-ce qu'ils étaient en train de passer le ciel, de chaque ciel. Mer, ils sont entrés et puis ils ont percé Congo. Kinshasa, il a vu que non, ils sont allés vers, elle voyait elle-même dans les GPS, vous comprenez? Mbujimayi, Kananga, Mweneditu, Lubumbashi, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Pretoria et Johannesburg. Elle a dit, oh. Maintenant, elle était inquiète, on va descendre Kinshasa ou comment? Or, c'est la ligne qui prennent. Vous comprenez? Donc ça veut dire, elle voyait chaque ciel et les GPS leur montrer. Vous comprenez? Nous sommes ici. Nous sommes ici. Et maintenant, si le Seigneur vient en Australie, là, ils sont la nuit. Et ici, nous sommes déjà vers 9h quelque chose. Ici, c'est 10h17. Là où vous êtes, c'est 9h quelque chose. Temps universel, Afrique centrale, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ce n'est pas comme ça que nous devons voir les choses de Dieu. S'ils avaient pris leur temps de comprendre ce que le Seigneur leur disait, ils allaient comprendre que la dispensation du Père, c'était avec Moïse et les prophètes. La dispensation a changé. Nous sommes dans une autre dispensation, qui est la dispensation du Fils qui était venu. Vous comprenez? Et nous allons lire maintenant les Écritures en entrant pour voir comment est-ce qu'ils étaient avec lui, selon la volonté de Dieu, pour que nous, les gens des nations, nous puissions être gracieux. Remarquez, après le déluge, vous comprenez, 8 âmes qui étaient sauvées, dit l'apôtre Pierre ici, et nous avons vu que non, sur les 8 âmes, c'était Noé avec sa femme, ses 3 fils avec leur femme. Vous comprenez, le premier, c'était Cham qui sont nous, les gens des nations. Le fils de Noé, le premier, nous avons dit Sam, Sem et Japhet, Sem, ceux, les Samaritains. Et nous avons vu que non, Japhet, c'est le Juif. Vous comprenez? Sam, Sem et Japhet. Et les 3, nous avons compris que non. Donc, nous avons compris que les 3, ce sont de la race de Noé. Et ces 3 races-là, ce sont 2 qui ont reconstruit le monde qui a été détruit par les déluges. Ouais. Et nous avons vu que quand le Seigneur était venu, Jésus-Christ dans sa première venue, voilà, étant le Fils de l'homme, il s'est révélé premièrement. Voilà, donc nous avançons. Premièrement, comprenez-moi, c'est un endroit où les gens comprennent. Voilà, donc on essaie de pénétrer dehors. Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons vu que non, quand il était venu,
comme tu traitais avec le juif, en commençant par Abraham, qui était quelqu'un des nations, Dieu lui a appelé, il a fait de lui cette nation juive. Tu comprenais? Dieu a dit qu'il va traiter avec le monde entier, tout de race, à Abraham. Mais il a commencé d'abord à apprendre le juif par Abraham, faire naître, sortir le juif par Abraham. La semence naturelle d'Abraham, le juif. Nous nous sommes spirituels en Christ, la semence royale. Vous allez m'excuser. Et nous avons vu que le Seigneur, quand il est venu, il s'est montré d'abord à eux parce que Dieu traitait avec eux. C'est là où il a mis son fondement. Lui-même, le chef-d'œuvre, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Abraham, la foi, Isaac, l'amour, Jacob, Israël, la grâce, et nous avons vu Joseph, la perfection. Cadre, le fondement de Dieu lui étant le chef-d'œuvre, et il a commencé à construire son édifice jusqu'aujourd'hui. La tête, c'est l'église, le pouce, la révélation, vous comprenez, qui est la chef, donc la chef, pas l'aboutissement, cela veut dire la perfection, Christ. Et nous avons vu que non, en venant, il devait venir vers eux parce que ce sont eux qui ont reçu Dieu et qui ont reconnu qu'ils devaient adorer qu'un seul Dieu parce qu'ils étaient avec les prophètes. Ils n'adoraient pas plusieurs dieux, mais nous étions considérés comme des païens, des gens sans Dieu qui adoraient plusieurs dieux. Vous comprenez? Comme on dit à Lingala, toi qui bata binzam binzam, donc bata wabote la bata mbele bata mbata mbele bata. Et les autres sont encore là-bas en disant que non, de vrais dieux sont que des vrais dieux, des dieux de noirs. Non, Dieu n'est pas dans des races. Nous sommes appelés tous à être un et indivisible étant des fils de Dieu. En Dieu, il n'y a pas question de race ou quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc ça veut dire noir, blanc. Il y a une chanson que je chante. Vous comprenez? Voilà. Donc ça veut dire noir, jaune, blanc, rouge. Nous sommes tous fils de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes appelés à être ensemble. Et quand il s'est révélé à eux, vous comprenez? Dans sa première venue, ils l'ont rejeté. Et la grâce est venue. Remarquez, après les Juifs, c'était les Samaritains, qui sont les Sèmes. Vous comprenez? Et les Chams, nous sommes là, nous étions restés les derniers. Mais Dieu, dans sa bonté, ne nous a pas laissés dans cet état de chute. Il est venu vers nous. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce temps ici. Maintenant, posons-nous des questions, les uns les autres. Quand il était venu dans sa première venue, nous l'avons rejeté pour que la grâce vienne vers nous. Maintenant, nous allons retourner adorer comme eux qui ont rejeté Christ. Posons-nous des questions. Il faut qu'on puisse adorer dans les langues hébreues pour être exaucé. On chasse les démons dans le nom de Jésus-Christ en français, à Kikongo. Donc, à Guyansi, vous comprenez, à Teke, Bambara, toutes les langues, vous comprenez, parce que le jour de la Pentecôte, lorsqu'on va retourner là-bas, la Bible nous dit que non, les gens de toutes races, de toutes les langues qui se retrouvaient, qui séjournaient ces jours-là à Jérusalem, ils les écoutaient dans sa langue maternelle. Est-ce que c'est clair? Dieu s'il a permis que chacun puisse écouter les apôtres, les disciples. Vous comprenez? Avec ceux qui étaient ensemble avec eux, quand l'effusion du Saint-Esprit s'est emparée au milieu d'eux, il parlait de langue de feu. Qui faisait en sorte que les gens qui se retrouvaient là-bas, chacun les écoutait à leur langue maternelle, j'ai dit bien. Ça veut dire, ce qui est congolais, ça qui est brasa, on a linga, la tonakila. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce qui est peut-être ou quelqu'un de Mbundo, un Mbundo était là, vous allez l'entendre, il m'ouille là. Voilà. Quelqu'un de la Namibie, ou soit un Zulu, vous allez l'écouter en Zulu à Soutou. À Chiluba, vous comprenez? À Bambara, toutes les langues qui se parlaient, donc ça veut dire qu'on pouvait se tenir à un Éthiopien, pouvait écouter. Est-ce que vous comprenez? Avançons alors. Nous avons vu que non, cette dispensation, c'était un réveil passé. Ils l'ont crucifié. Nous allons maintenant entrer dans les Écritures et donner l'éclaircissement sur les Écritures
pour montrer que non, nous ne pouvons pas faire les choses comme des juifs parce que nous ne sommes pas des juifs. Les juifs ont rejeté Christ pour que la grâce vienne chez nous parce qu'ils étaient aveuglés. Parce que s'ils n'étaient pas aveuglés, ils allaient reconnaître leur Messie parce que c'était leur Messie à eux. Ils étaient sortis d'eux. Vous comprenez? Les Écritures sont claires et ne se contredisent pas. Dieu est juste et parfait. Il ne pouvait pas faire grâce simplement à eux, Jacob, Israël, comme nous venons de dire la grâce. Mais cette grâce devait venir aussi vers nous parce que Dieu est juste dans toutes les races qui sont sorties de l'arche de Noé après le déluge. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi nous allons lire les Écritures et avancer sur la conclusion. Voilà, après avoir lu Daniel, nous avançons ici. Je pense que nous avons beaucoup des Écritures à lire, mais nous allons prendre maintenant le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie nous dit de commencer dans Zacharie 14. Pourquoi commencer dans 14 alors que nous allons lire 13, 12? La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de prendre ça comme nos connaissances à nous étant des humains, mais c'est quelque chose de surnaturel. Nous devons nous abandonner de la manière que l'Esprit a parlé au prophète. Nous allons commencer au verset 14, 1 à 3, et vous allez préparer Matthieu chapitre 23. Nous allons lire les Écritures. Voilà. Après Matthieu chapitre 23, donc Matthieu chapitre 23, nous allons lire en commençant au verset 33 jusqu'au verset 36, virgule verset 37 à 39, ça c'est Matthieu 23, et nous allons lire Matthieu 24 chapitre 1. Lisons d'abord Zacharie chapitre 14, 1 à 3. Nous lisons pour la gloire du roi Jésus. On y est. Lisons les Écritures quant à elles. Nous avons la vie éternelle. Quant à elle, nous allons comprendre pourquoi est-ce que eux, ils adorent. Pourquoi eux, ils adorent le sabbat, ça veut dire le samedi. Comme on dit en portugais, le septième jour, c'est le sabbat en portugais. Et c'est correct. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, comme on dit en portugais, domingo. Demain, segunda-feira, terça-feira, terça qui signifie 3. Donc, mardi, c'est 3. Donc, le calendrier romain que nous avons, qu'on dit dimanche, c'est le premier jour. Non, c'est la. Donc, dimanche, c'est le premier jour. Oui, c'est la vérité. Dimanche, c'est le premier jour. Non, pas selon le calendrier romain, mais c'est le calendrier juif. Vous comprenez? Donc, c'est ça, le vrai calendrier. Et c'est vraiment un calendrier prophétique, si on peut dire. Donc, d'un côté, j'ai vraiment bien compris ce que le frère voulait me dire. C'est pourquoi je ne voulais pas donner ça selon mes pensées, mais je voulais lui ramener aux Écritures pour que les choses soient claires. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Et le septième jour, c'est le samedi, le sabbat. Vous comprenez? Le jour où les Juifs adorent. Lisons les Écritures. Nous sommes là dans Zacharie chapitre 14. Et puis, mais Zacharie va nous donner les éclaircissements de la première venue du Christ. Est-ce que vous comprenez? Zacharie va nous donner les éclaircissements sur la première venue de Christ. Comment est-ce que les Juifs lui ont renié, lui ont crucifié? Comment est-ce qu'il est venu vers nous, les impiétés? Cela veut dire les gens qui étaient des païens, qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient plusieurs dieux. Tous ces éclaircissements-là, c'est Zacharie qui va nous donner. Et à ce qui concerne la dispensation, quand ça a changé, il a quitté le Juif, est venu vers nous. Vous comprenez, Zacharie aussi va nous donner et Matthieu va nous donner les éclaircissements sur le jour d'adoration, selon eux, le Juif, et nous, les gentils, conformément de la marche de la grâce quand il les a quittés. Nous ne pouvons pas adorer comme eux, nous devons adorer conformément à ce qui nous est venu, ce qui nous est accordé. Oyo nzamba pesi biso pa talise pa na biso lokola ngolo na pa na biso mikolo yango ndenge esengeli biso toi. Voilà, on entre là-bas, on lit. Voilà, Zacharie 14, verset 1 à 3. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Et les dépouilles sont partagées au milieu de toi. 2.
Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Suivez-moi. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. La moitié de la ville ira en captivité. Lisons. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Bakotika, le reste en captivité. Voilà. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. L'Israël se répandit, le Juif, partout dans le monde. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont frappé leur Messie à eux? Vous comprenez? C'est ce que Daniel vient de nous dire. Zacharie nous a donné les éclaircissements ici. Nous allons lire. Vous comprenez? Quand ils ont crucifié Christ, ce qui s'était passé, ce sont éparpillés partout dans le monde, jusqu'en Argentine, au fin fond de l'Amérique du Sud, là, en Afrique du Sud, en Ouganda, Idi Amin Dada les a traités mal, ils étaient au Congo. Vous écoutez les Français qui disent, nous avons des Juifs français, il y a des Juifs russes et des Juifs américains. Vous comprenez? Il y a leur signe des holocaustes et toutes ces histoires-là. En Allemagne, Hitler les a traités, on le mettait dans des trains, on le formait dans des maisons de prêche à gaz, on le tuait, on le maltraitait, on violait des femmes, et toutes ces histoires qui se passaient comme ça se passe au Congo. Les Écritures sont là. À cause de quoi ils ont rejeté leur premier ennemi. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils étaient souvent, pas incrédules, mais durs sur les Écritures. Vous comprenez, les choses qu'ils voyaient que non, leurs prophètes leur disaient, ils se tenaient là-bas comme ils commençaient à faire avec Moïse. Le psaume 78 nous le dit, 106 nous le dit, 105 voire. Vous comprenez? Donc, nous avons vu que non, ceci s'est passé en eux, et nous avons vu qu'il y a une partie qui était restée là-bas. Et nous avons vu, si nous lisons Daniel ici, il a dit la désolation, quoi? Quelle phrase m'échappe comment? Je parle de ça chaque fois ici. L'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, c'est lui qui lit, fait attention. Vous comprenez? C'est les mosquées d'Omar qu'on a mis dans les lieux où se trouvait le temple de Dieu. On a construit ça là-bas. C'est ce qu'on est en train de lutter pour détruire. Vous comprenez? Je pense qu'on a, je ne sais pas, il fallait qu'on puisse. C'est ce qui se passe maintenant là. La Jérusalem entre Palestine, la guerre qui est là. Vous comprenez, quand Trump a reconnu que Jérusalem, c'est là où il y a l'occupation, que les autres ils sont venus, il faut qu'on les chasse, ainsi de suite. Vous connaissez, on ne peut pas entrer là-bas, ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous comprenez? Donc, et nous avons vu que non, Daniel a dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation, non, ce n'est pas Daniel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 24 ici, que nous devons lire ici. Établi dans les lieux saints, c'est lui qui lit, faites attention. Vous comprenez? Et nous avons vu qu'ils étaient éparpillés partout dans le monde. Maintenant, lisons Zacharie pour voir comment est-ce que Dieu traite avec eux et traite avec nous. Quand Dieu traite avec nous et éparpillés, ils n'ont pas reconnu leur Christ. Il faut qu'ils puissent reconnaître encore leur Christ pour qu'ils puissent être rédemptés. Vous comprenez? Être ancré de nouveau dans l'air olivier. Vous comprenez? L'arbre de vie Christ que nous parlons. Vous comprenez? Voilà. Alors, Dieu dans sa grâce pour restaurer l'épouse, il l'a avec lui ses propres fils. Nous allons lire les Écritures. Le Juif, qu'il a envoyé les prophètes, le roi prophète, ainsi de suite des hommes sages qui étaient là avec lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu les a aveuglés pour nous faire grâce. Alors, allons-y, nous, retourner là-bas pour aller faire des choses comme des Juifs qui ont rejeté Christ. Alors que leur temps arrive, et quand Dieu traite avec eux, nous ne sommes pas là, nous sommes déjà pris. C'est pourquoi Fabana me dit, Dieu traite avec l'Église dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1 jusqu'à chapitre 4, l'Église est prise.
Vous comprenez? L'église, l'épouse est prise. Ça veut dire que c'est maintenant le temps que Dieu traite avec les Juifs. C'est pourquoi vous voyez ce qui se passe là-bas. Vous comprenez? Parce qu'il devait reconnaître le Messie par l'entremise de l'esprit d'Élie et de l'esprit de Moïse, les deux prophètes, qu'eux, ils peuvent croire en eux, sont des prophètes juifs. Ce ne sont pas ceux des nations qui devaient aller là-bas les prêcher. Bakoyo kakabisote. Ils ne vont pas nous écouter. Frère Banam a essayé, il est allé jusqu'en Égypte. Le Seigneur lui a dit, rentre, ce n'est pas ta place. Toi, tu es un prophète des nations. Je t'ai envoyé pour sauver ce peuple. Leur parler de moi. N'allez pas là-bas, il ne faut pas t'écouter. Toi, tu es un prophète des nations. Vous comprenez? Ne contredisons pas les choses pour amener les gens là-bas pour adorer dans des loges de Jif. Vous comprenez? Qui aveugle les gens, c'est un système, le diable amène les gens. Non, vérité, ou t'as dit la vérité, la parole a commencé, nous devons retourner vraiment là-bas. Non, c'est la fausseté. Vous comprenez? Dieu s'est révélé à nous aujourd'hui. Et nous avons vu que nous, depuis 4 jusqu'à 19, l'Église et l'Israël vont entrer dans la gloire après l'Apocalypse chapitre 19. Quand Christ est descendu dans 10, ici, c'est déjà donné la révélation de sceaux. Vous comprenez? Car la fête des trompettes, nous avons vu que nous, le trône au grondé. Maintenant, là, dans 19, c'est maintenant que non, l'Église va retourner pour avancer vers 21, d'habiter quand tout sera détruit. Ici, sur la terre, la demeure future, 2 Pierre chapitre 3. N'allons pas là-bas, lisons les Écritures, on donne simplement l'éclaircissement. C'est pas, on va faire plus de 2 heures de temps ici. Vous allez m'excuser. On prend Matthieu et puis nous allons retourner dans Zacharie. Allons-y. Allons-y voir Matthieu. Le Saint Matthieu va nous aider. L'évangile selon Saint Matthieu. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La sœur Néné, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de gens là. Frère Olivier, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, parce que je suis dehors, je ne peux pas bien voir. Vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse, partagez, aimez la parole. On est là dans Matthieu chapitre 23, lisons les Écritures. Lisons, on prend verset 33, qu'on a dit, on commence dans verset 33. C'était Matthieu 23, laisse-moi vérifier, vous allez m'excuser. Matthieu 23, 33, 36, verset 37, 39. Voilà. 33, on est là. Ouais, c'est juste ça. Verset 33, on lit. Serpent, serpent. Vous devez commencer ça en haut, mais je préférais qu'on commence ici à cause du temps. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécutez. De ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. On continue. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur votre génération. Ah ouais, encore la zone banane, la baïta. Tolanda, pourtant, nous n'aurons pas à Zacharie, nous aurons un récit plus clair. Voilà. 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux. Il n'y a pas de zone à Puna. Nous avons la lumière, vérité. Posons-nous des questions. Voilà. Lisons. Verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux. Hein? Qui te sont envoyés? Combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui parle ici.
mon frère. Allons-y. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ce n'est pas ce que nous venons de lire ici dans Zacharie 14, 38. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Maintenant, vos prophètes riches, ils se sont enrichis selon Laodicée, Apocalypse chapitre 3, 14 à 19. Se sont enrichis illicitement comme des politiciens, des Africains qui s'enrichissent. Ils voient des gens pauvres souffrir, mais ils veulent devenir millionnaires. En prétendant, je ne sais même pas comment je peux dire. Vous comprenez? C'est ces mêmes habitudes, pourquoi ils se retrouvent dans le même lieu et tuent leurs influences d'en bas, dans la cinquième dimension, pour venir régner ici et faire en sorte que les gens souffrent et dire que non. Il y a une fille qui me parlait que non. Pourquoi tu as tout laissé comme ça? Moi, je dis, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est nos autorités. Vous comprenez? Comment est-ce que tout, là où vient ce logique et il aille, la vie est bonne. Regardez l'Amérique, comment regardez la France comme elle est construite. Mais regardez les pays riches d'Afrique. Vous comprenez? Oh, bravo aux Maliens, bravo aux Burkinabés. Vous comprenez? Bravo à vous, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Nous devons mettre les choses au sérieux, aimons-nous. Dieu nous a tout donné, l'Afrique n'est pas pauvre. C'est une mauvaise volonté de gouverner les choses. C'est ce qui fait que les gens souffrent, il y a la famine. Il y a des terres arables que Dieu nous a données. Pourquoi les gens doivent souffrir? Et vous voulez retourner là-bas dire, Dieu, comment ça? Et on vous amène pour faire des jeûnes dans des églises à chaque fois pour prier quel Dieu? Hein? Non, ce n'est pas le temps de faire ça. C'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de la bataille spirituelle. Et la bataille commence avec la conscientisation. Vous comprenez? Retourner au Congo, parce que je ne l'ai peut-être pas. Pourquoi faire pour ce signe ici comme ça? Alors, il fallait prendre le temps d'examiner les choses. Comment prendre des stratégies, vous comprenez? Et se tenir derrière des décisions que les chefs prennent pour mieux combattre ces gens, au lieu de rester là-bas, de pleurnicher, vous qui êtes plus de 100 millions d'habitants devant des gens qui ne représentent absolument rien. Comprenez? Ce n'est plus le temps de faire ça. On a fait ça, les gens ont vu. C'est le temps maintenant de prendre des décisions, des stratégies qu'il faut. Regardez là où nous avons failli. Voir ceux qui sont ensemble avec nous, qui se communiquent avec, qui sont là-bas. C'est eux qui nous rendent faibles et nous sommes incapables de se tenir la tête haute. Voilà des conséquences. Et vous allez là-bas pour dire aux gens, allons-y au stade consacré les pays. Allons-en faire ceci, prier Dieu pour que Dieu puisse être avec notre armée. Oh, mais non. Vous comprenez? Abraham, quand il arma ses serviteurs pour aller attaquer les cinq royaumes, ce n'était pas question de faire des jeûnes. Il arma, il a prié, il est allé. Il n'a pas pris le temps de pleurer là-bas. Non, Dieu n'aime pas des gens qui pleurent. Avançons. Lisons maintenant 24, verset 1. Vous allez m'excuser, hein? Vous allez m'excuser, ça fait mal quand on regarde comment est-ce qu'on viole, on déchire des gens, on tue, et toutes ces histoires-là, ça fait vraiment très très mal. Voilà, donc l'Afrique n'était pas censée être comme ça, on devait être, comprenez déjà. Voilà. 24 verset 1, tout serviteur de Dieu qui aime la parole de Dieu, qui aime ses prochains, il va sentir ce que nous sommes en train de parler ici. Voilà, donc nous devons nous conscientiser les uns, ce n'est pas question d'aller là-bas, à la montagne, toujours prier, pleurnicher, toujours, toujours non. Vous comprenez? Nous devons regarder pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire ceci, de faire ceci, on n'a pas bien étudié, on a détruit des générations, vous comprenez? Pour courir dans des pays européens, américains, ainsi de suite. Vous comprenez? À cause de quoi? À cause de ce qu'on est en train de parler ici. 24 verset 1. Voilà. Comme Jésus s'en alla, au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Verset 2, parce que je ne vais pas écrire, vous allez m'excuser. Mais il leur dit, vous, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voilà ce que Zacharie nous a dit ici. Le Seigneur nous l'a confirmé ici. Et là où ça restait pierre sur pierre,
on nous prend en main pour aller adorer selon eux. Une dispensation qui est dessus. Vous comprenez, le Seigneur a quitté même Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ avec d'autres apôtres. Quand ils ont resté sur ça, le Seigneur leur a dit de ne plus rester là-bas. Allez-y, Pierre, dans la vision. Mange la nourriture impure, quoi, de reptiles et toutes ces choses. Non, on n'est pas permis de manger ça. C'est moi, le Seigneur, qui t'ai permis. Et de nourriture impure, c'était nous, les gens des nations. Ça veut dire la dispensation a changé. Pierre, ce n'est pas à prêcher ces gens-là. C'est d'aller prêcher d'autres gens. Les Juifs ne vont pas t'écouter. Mais on nous amène là. Aujourd'hui, posons-nous des questions. Avançons pour votre temps, parce que votre temps est précieux. Je sais que c'est le dimanche matin, le jour de l'adoration, mais avançons sur les Écritures. Nous allons quitter maintenant Matthieu 23 et 24. On rentre à Zacharie chapitre 13, verset 7. On prépare déjà chapitre 12, verset 4. Nous lisons. On rentre chez le prophète Zacharie. Nous a convoqué encore. Il a dit, retournez ici chez moi. On est là dans verset 13. On lit d'abord 13 et puis on va lire 12. Lisons. Zacharie chapitre 13, verset 7. Et paix, lave-toi sur mon berger, qui était le berger des Juifs. Beaucoup de prophètes l'ont parlé. Le prophète Isaïe les a parlé. David a parlé de ça. Hein? Vous comprenez? Donc, voilà, psaume 16, psaume 110, David parlait de ça. Et paix, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Dis, l'Éternel des armées, frappe les bergers, Christ, et que les brebis se dispersent. Ce n'est pas ce que nous avons lu dans Zacharie chapitre 14. Vous comprenez? Ils se sont dispersés partout dans le monde. Matthieu chapitre 23, vers la fin, et Matthieu chapitre 24, 1 à 2. Le Seigneur l'en a dit ici. Nous marchons sur les Écritures ici. J'allais m'excuser sur d'autres parenthèses que je prie. Hein. Je vais m'excuser. Ça fait mal certaines choses. Frappe les bergers et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. D'autres versions bibliques qui disent, je tournerai ma main vers les impiétés. Qui sont les faibles? Qui sont les impiétés? Nous, les païens qui ne connaissaient pas adorer un seul vrai Dieu, qui n'avaient pas de prophète venant de l'Éternel, qui parlait de l'ainsi dit l'Éternel. Vous comprenez? Et le Seigneur a dit, Zacharie disait ici, épée. Vous comprenez? Pourquoi le paix? Parce qu'ils ont mal interprété la parole de Dieu qui est le paix à des tranchants. Le paix, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon. Dis l'Éternel des armées, frappe les bergers et que les brebis se dispersent d'Israël. Et je tournerai ma main vers le faible. Verset 7. On aille maintenant dans 12, verset 4. Zacharie. On lit. On rentre. On était 14, 13, 12. Maintenant, on est à 12. Lisons 12. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la montagne de Juda quand je frapperai d'aveuglement. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple. Quand la Bible parle du cheval, un cheval, c'est une puissance. Vous confirmez, donc comprenez que la puissance qu'il faisait d'Israël, comprenez, le Seigneur dit, je frapperai. Ça veut dire, comme Daniel est prié, confessant, demandant pardon pour leur roi, ceux qui commettaient, et être incrédule à l'Éternel qui était leur roi. Vous comprenez? Nous avançons ici. On avance, les écritures sont claires. On avance. On était dans 12-4. Prenons Romains chapitre 11, 7 à 10. Et nous allons prendre le psaume 69. On avance. Romains 11, 7 à 10. On aille dans Romains 11. On lit et puis on termine. Ici, on commente plus. Romains est là. On est dans Corinthe. Vous allez m'excuser. Romains 11. Ouais, merci Seigneur. On y est. 10. 11. Voilà.
On commence 11, on lit rapidement. C'était 10, hein? 11, chapitre 10. Hein? Je ne vais pas oublier. Je dois avoir plus de précision. 11, 7 à 10. Voilà, je lis. 11, 7 à 10. Je lis. Quoi donc? C'est qu'Israël cherche. Il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Les autres ont été quoi? Endurcis. Suivez bien. Voilà. Qui est Dieu? Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Assoupissement quoi? D'aveuglement. Balali. Messie yo ba gozela. Oto tanga ki prophète Daniel a roloba. Aïe ba crucifié. Oto tanga. Ok. Awa, je ne veux plus parler. Lire, terminé. So na lobby de sous oui, bisingai. Vous m'écrivez là-bas. Voilà. On avance, la parole de Dieu est tellement parfaite et merveilleuse. Ne contredis pas les Écritures, ce ne sont pas des catholiques qui ont écrit ça, ce ne sont pas des hommes. C'était poussé par le Saint-Esprit que Dieu a parlé. Remarquez, les Juifs ont écrit leurs propres erreurs ici. Ces peuples-là, ce n'est pas comme d'autres peuples. Ce sont des peuples qui ne croient pas n'importe qui comme prophète. Ils ne prennent pas n'importe qui comme berger. Vous comprenez, comme pasteur, comme évangéliste ou docteur, vous comprenez, il faut quelqu'un qui est assidu, vient de Dieu. C'est pourquoi ils sont dans cette position-là. Remarquez, n'allons pas là-bas, parce que je vous ai promis, je ne commente pas. Lisons les Écritures, vous comprenez, ils ne sont pas de n'importe quel peuple qui embrasse tout, qui accepte tout, qui prennent des illusoires, vous comprenez, qui prennent Dieu au niveau de l'âme, là où il y a les cinq sens, non. L'imagination, imagine avec Dieu. Non, ils ne raisonnent pas avec Dieu. Ils n'ont pas des affections sur les choses de Dieu. Ils croient. Vous comprenez? Prenez Bartimée, prenez Marie, prenez tout. Vous allez voir la foi. Prenez la vie d'Esther, Mardoché, prenez les enfants hébreux. Nous avons parlé de ça. Souvenez-vous, prenez Job. Voilà. Ce n'est pas comme nous. On est en train de baloter là-bas. On tue les gens. On aille là-bas au stade avec des millions dans des poches, dans des millions d'argent à la maison. Et vous allez là-bas implorer Dieu. Disant que non, Zamba Gosala. Comment ça? Vous blaguez avec Dieu ou comment? Hein? Des millions là-bas, vous volez l'argent et puis vous priez Dieu. Pour que la guerre finisse. Mais pour avoir des millions là-bas, il faut qu'il y ait des compromis que vous avez. Vous allez m'excuser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit miséricordieux envers lui. Voilà, on a. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon ce qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir qui les leur Messie. Et des oreilles pour ne point entendre. Jérusalem, Jérusalem. Bah, ils n'ont pas entendu. Allons-y. Jusqu'à ces jours. Et David est Dieu. Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tient leur dos continuellement courbé. Alléluia. Amen. On continue. Continuellement courbé. 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Qui sont-ils? Nous qui adorons plusieurs dieux. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je peux lire ça encore? Je lis, c'est le verset 11, chapitre 11, verset 11 des Romains. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Répondez la question. La réponse est là. Ils ont bronché? La réponse est là. Loin de là. Mais par leur chute, eux, Juifs, Israël, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie.
Alléluia. Oh, si la chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous, tous malamour. Vous comprenez? Le salut de Dieu sera en un seul jour. N'un seul jour. Vous comprenez? C'est pas comme nous. On crie ici, on crie là-bas et les autres écoutent. Et de quoi? Des gens qui viennent d'en bas. Vous comprenez? Les esprits mauvais qui entrent dans des serviteurs, qui ont fait la compromis avec la parole, au lieu de rester avec la parole, au lieu de quitter, on est là, disant que Dieu, mon salut ensemble, Dieu qui a mis et tout ça ainsi de suite. Non. Je peux voir quelqu'un dans une erreur qui répare ça en avancement. Quelqu'un qui a fait la compromis, abandonné Dieu, il est mélangé Dieu avec les ténèbres. Toi, tu es toujours là. Je ne sais pas. Hein? Nous, nous avançons. On parle à personne, on dit ce qui se passe. Quand quelqu'un se sent, alors, c'est, les écritures te condamnent. Ce n'est pas moi qui te condamne, c'est les écritures. On avance. On prend Psaume 69, je pense. Hein? Psaume 69, 19 à 27. Et puis, nous allons prendre Ésaïe 53, verset 4. Vous allez, je suis très content de lire les écritures. On lit et puis on termine. Hein? Vous allez m'excuser pour votre temps. Que Dieu vous bénisse richement. Psaume 69. On est là, 44, voilà. Vous allez m'excuser, hein. Vous allez m'excuser. Parce que vous êtes chers, hein. C'est pourquoi vous êtes des enfants du roi. Voilà. Donc votre vie est précieuse. Pour que nous, étant serviteurs de Dieu, nous puissions vous respecter. Vous comprenez? Vous demandant de prier pour nous, et nous aussi, nous allons prier pour vous. 19 à 27. On y est, 19 est là. On prend chapitre, verset 19. Ouais, donc on y est, vous pouvez avancer. Thank you. Déjà. On lit. Voilà. Il voulait mon accord avant de passer. Voilà, c'est pourquoi je l'ai redit. Voilà. C'est un bon comportement. Nous devons avoir ça aussi. 19. Donc respect à la parole de Dieu. 19. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis, qui connaît mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me bise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. De consolateur, je n'en trouve aucun. 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. David prophétise de ce qui va se passer à la croix avant que Jésus puisse venir. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. 24. Que leurs yeux s'obscurcissent trois fois. Tout en écriture à Ekokani. Et ne voient plus. Enfin, et fais continuellement chanceler leurs reins. Repense sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Awa tata yabadji, David, mon ko yabatata na bango. Après, la Bible se contredit ça. La Bible, comment on peut faire bien? Yon nos incrédules, yon nos miébités, yon nos abientés. Vous avez mis ton gama bien, vous avez détruit quelque part. Ici, tout est parfait et correct de Genèse à l'Apocalypse. Manque de révélation n'est. On avance. Repense sur ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants. Dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes. Celui que tu frappes. Ils ont persécuté celui que Dieu frappait. On avance. Et nous allons lire là où le prophète a confirmé que c'est Dieu qui a frappé. Qui, Christ, par l'épée, la parole, pour nous sauver, nous. Il y a quelque chose qui est caché là-bas, une révélation sur ça. Nous allons parler. 27. Car il persécute celui que tu frappes
Il rencontre les souffrances de ceux que tu blesses. Vous comprenez? On aille maintenant dans Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe. On est dans 66, 55, 54, verset 4. On est là-bas. Que Dieu vous bénisse. On lit. Oui, certainement. Non, c'est, oh, ça, c'est 54. 53, pardon. 53, verset 4. On lit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris cela? Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Psaume 69, Ésaïe 53, verset 4. Et balani. Toi avancé. Ah, mais tu tires, hein? Plutôt que moi, là, je dis. Voilà. On est là, on prend maintenant Luc chapitre 23, verset 34. Et nous allons prendre Luc chapitre 23 encore, verset 50 à 56. On lit rapidement parce que le temps. J'ai besoin de votre temps. 23. Vous allez m'excuser. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vois un bien-aimé ici. Mbizi, Barkei, Barkei, Mbizi. Que Dieu te bénisse, je te dis. Que Dieu te bénisse. On est là. 23, on prend 23. 23, on y est ici. 23, on y est. Luc chapitre 23, verset 4 et 50 à 56. On est là. Verset 4, que dit Luc chapitre 23, verset 4. On est. On y est. 22 selon. Hein? Voilà. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Là, les Juifs sont entrés, les principaux sacrificateurs, leurs chefs, donc cela veut dire leurs chevaux, sont en train d'acquiser le Seigneur. Allons-y dans 50 maintenant. Nous avons lu 50, alors comme nous avons dit 50 à 56, lisons. Ici, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. C'est Joseph. Il était d'Arimathée, ville de Juif, et il attendait le royaume de Dieu. 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Voilà, je ne sais pas si j'ai sauté, mais je continue d'abord. Il est descendu de la croix, enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre. Ouais, c'est correct. Dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat était commencé. Tolanda, c'était le jour de la préparation. La ligne est comme la verset 50, Luc 50, verset 53. Laisse-moi répéter ça. Maintenant, on entre sur la question de l'adoration, le jour du sabbat ou le jour du dimanche. Vous comprenez? Moi, j'ai dit, le sabbat, c'est pour les Juifs. Samedi, hier, et aujourd'hui, le dimanche, nous commémorons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous, les gens des païens, nous devons prier aujourd'hui parce que la grâce nous est venue à la résurrection. Nous commémorons pas la mort le vendredi, le jour où il était mort. Nous devons commémorer la résurrection parce que nous sommes sortis des morts là où nous étions condamnés. Les âmes qui sont maintenant en prison, mais nous ne sommes plus en prison. Nous sommes sortis parce que nous avons entendu le son de la trompette d'un Thessaloniciens chapitre 4. Vous comprenez? Voilà, et cette trompette a retenti dans Apocalypse chapitre 10, 1 à 7, vous comprenez? Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, vous comprenez? Premièrement, et nous les vivons, nous ne les dévincerons pas, les morts qui sont morts en Christ, vous comprenez? C'est aujourd'hui, vous comprenez, les jours du Fils, qu'il était ressuscité, que nous venons pour faire quoi? Pour commémorer sa résurrection, vous voyez? Donc voilà.
on retourne ici, si c'est que on est en train de lire, voilà, 50. Donc pas 50, c'est 53, vous comprenez. Il est descendu de la croix, l'enveloppa dans l'enseigne et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été 54. C'était le jour de la préparation de le sabbat allait commencer. Si on parle ici à Johannesburg, ici, vous allez voir les chiffres le vendredi, ils préparent leur sabbat. C'était le vendredi, frère bien-aimé. Toi qui disais que non, c'est faux. Non, c'est pas faux. C'était le vendredi qui prépare leur sabbat. Ici. On continue. Le sabbat allait commencer. Donc, comment ça? Le vendredi soir jusqu'au samedi matin, il n'achète pas, il ne fait pas quoi que ce soit. Tout ce que Moïse les a prescrit. Ici. Voilà. 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagné Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus lui fut déposé. 56 et 100, n'étant retournée, elle préparait des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Toyoki, toi avancez maintenant. Ah, toi, 24, 1 à 10. Nous avons toujours dans l'Ic. Après, tu as préparé Zacharie. Tu as aussi Sassoun à Romain. Vous comprenez? Donc voilà. L'Ic chapitre 24, 1 à 10. Attendons un peu ce véhicule ici de ice cream. Comment ça s'appelle ça? Des crèmes glacées. Tout se passer. Ça fait un peu de bruit là. Et puis nous allons prendre Luc 24, chapitre 1. Autant en mot wapi. Voilà. Luc 24, 1 à 10. Nous lisons simplement et puis nous allons terminer. Essayez d'être patient avec moi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je t'ai vu, mon frère. Tu m'as dit Amen, mon vieux. Que Dieu te bénisse. Voilà, on lit, hein. On lit, on est là. Dans 22, 23. Mon pépé. Voilà, 24. Voilà, on commence à lire. Les premiers jours de la semaine. Est-ce qu'on y est? Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Est-ce que c'est clair? Je vous ai dit ici, sabbat c'est le septième jour. Vendredi, c'était la préparation du sabbat. Il commençait le sabbat vendredi soir. Et les sabbats, selon la coutume, leur coutume, selon la loi, ils ne pouvaient rien faire, ils devaient se rendre là-bas. Et la Bible dit, si les premiers jours de la semaine, on fait ce que vous écoutez, comme en portugais, on dit domingo. Lobby lundi, et ça, premier jour, c'est selon le calendrier français qui vient des Romains. Non. Vous qui dites que non, la Bible vient des catholiques. Faux. Vous comprenez? Portugais nous a dit, demain, c'est le deuxième jour. Vous comprenez? Segunda feira, segunda, ça veut dire deuxième. Domingo, premier jour, conforme à la Bible. On est là. Du grand Martin portant les aromates, lesquels avaient préparé. Et, ok, les aromates qu'elles avaient préparé. Bango, Pabongisaki. Elles trouvèrent que la pierre était roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles se trouvèrent par le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait pas et elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparirent en habit resplendissant. 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Voilà, contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Quel jour? Premier jour de la semaine. Lundi, dimanche. Sunday. Fabanam dit Sunday. Ça veut dire, selon la prononciation, San, ça veut dire San Fils. Le jour du Fils. Vous comprenez? Day, c'est le jour. San. Sunday. C'est la révélation. Selon le Bakomi, San Yaki. Moi, on comprend l'été. C'est Jésus qui est le soleil, le vent aussi.
On peut dire ça ne déitant le soleil levant qui s'est levé, vous comprenez, d'entre les morts. C'est pourquoi nous disons Sunday. Les Anglais appellent le dimanche Sunday, les jours du Fils. Le soleil levant s'est ressuscité, on avance. Comme elle ne savait pas, hein, on a déjà lu, saisi de frayeur, ah oui, 6 maintenant, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Les pécheurs ici, c'était des soldats romains et leurs chefs. Vous comprenez? Et les incrédules qui ont rejeté Christ. On avance pour terminer. 8. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Seigneur, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. J'aime des femmes telles que celles-ci, qui connaissent les Écritures, qui ont l'amour de leur Seigneur. Vous comprenez? Quand on leur dit ne prêche pas parce qu'ils aiment leur Seigneur, ils obéissent aux Écritures, ils ne viennent pas là avec des voix des hommes, vous comprenez, pour se servir de la parole, dire des choses morales et ainsi de suite, des femmes lesbiennes, non, des femmes du mois de mars qu'on élève comme nos mamans, ce sont des femmes vertueuses, pleines de bonheur, comme ce que la Bible les a citées ici. C'est pourquoi Totan a dit verset 10, on devait s'arrêter à verset 9. On continue. Maintenant, on retourne dans Zacharie chapitre 13, verset 8 à 9. On retourne dans Zacharie chapitre 13, 8 à 9. On retourne. Prophète Zacharie, où es-tu? Daniel. Bon, on est là. 13, 8 à 9. Lisons. On avance, comprenez? Les Écritures sont claires, parfaites. 8. Dans tous les pays, dit l'Éternel, le deux tiers seront exterminés, périront. Nous avons dit ça dans 14 ici. Donc, on est retourné. Tiers restera péri et l'autre tiers restera. Donc nous avons dit, on les a exterminés en Ouganda, on les a exterminés en Allemagne, on les a exterminés dans plusieurs pays du monde. Et une partie qui était restée là-bas, selon la parole de l'Éternel, les autres se sont retournés. Abraham dit, la génération qui verront les juifs retourneront, ne passeront pas sans que Jésus-Christ vienne. On avance. 9. Je mettrai, dit le Seigneur, regardez le salut de Dieu. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Cela veut dire qu'ils vont recevoir les baptêmes du Saint-Esprit en reconnaissant leur Messie qu'ils ont crucifié et renié. Voilà. Aux mains des impies, des pécheurs. Voilà. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Comme on vous dit toujours, nous sommes l'or. L'or doit être éprouvé par le feu, le fils et les filles de Dieu. Vous comprenez? On avance. Alléluia. L'or. Ils invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Et Amen. Maintenant, on passe dans Zacharie 12. 10 à 14. Le prophète Zacharie nous a retenus ici. Gloire à Dieu, nous sommes retenus par le saint prophète de Zacharie. 10 à 12, on lit. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, dit le Seigneur éternel. Vous comprenez? Parce qu'ils n'avaient pas un esprit de grâce. C'était là. Qu'il soit crucifié, son sang retombe sur nous, sur nos enfants. Voilà le péché que Daniel a dit là-bas dans chapitre 9. Pour expier l'iniquité, les péchés, pour consumer les péchés qu'ils avaient commis, c'était ça. Vous comprenez? On va entrer dans les détails des 70 semaines là.
prochaine fois. Vous comprenez? Donc, on a déjà parlé de ça. On va parler encore de ça. Voilà, parce que peut-être il y a d'autres qui n'ont pas suivi. Les péchés qu'ils ont commis, ça. Et maintenant, vous allez retourner là-bas, alors qu'ils attendent les Écritures ici puissent s'accomplir pour qu'ils puissent reconnaître leur Messie par les deux prophètes qui seront là, Élie et Moïse, les deux oints d'Apocalypse chapitre 11. Avançons. Voilà, lisez chapitre 11, vous allez voir les deux oints là. Ce n'est pas Moïse, la chair de Moïse là, non, l'esprit qui était à Moïse et l'esprit qui était à Élie les prophètes. Ils vont faire des mêmes miracles et quand ils vont voir ça, ils vont croire à ces prophètes-là. Pas à nous. N'allez pas là-bas, ce n'est pas votre place. Venez ici, repentons-nous ici. Et ils tourneront les regards vers moi. Suivez. Celui qu'ils ont percé. Voilà. Celui qu'ils ont percé. Avançons. Alléluia. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Le fils unique de Dieu. La Bible le dit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Les Écritures sont claires. On est dans Zacharie chapitre 12. Ici, on lit dans verset 10. Avançons. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Amen. Alléluia. 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimo dans la vallée de Megiddo. 12. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille sépare. Les familles de la maison de David séparent les femmes à part. La famille de la maison de Nathan sépare les femmes à part. La famille de la maison de Lévi sépare les femmes à part. La famille de la maison de Shimei sépare les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Que Dieu vous bénisse. On termine. On prend. Ça, c'était 12, Zacharie 12, 10 à 14. On prend Zacharie 13, 1 à 6. On retourne. Parce qu'on termine déjà. On est dans 13. Voilà comment est-ce que les Écritures nous balancent. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Selon la disposition de l'Esprit. Pas nous, mais c'est lui, l'auteur de cette parole, qui nous a disposé. Alléluia. On termine ici. 13. Oh, j'ai oublié les versets. Hein. Vous allez me citer. 13, 1 à 6. Voilà, on part. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Pour le péché et pour l'impureté. Alléluia. Dieu. En ce jour-là, dit l'Éternel, deux armées, j'exterminerai du pays le nom des idoles. Voilà, les idoles que vous allez là-bas pour aller. Dieu va l'exterminer, les loges, toutes ces choses-là. On avance ici. Enfin qu'on s'en souvienne plus, j'ôterai au sud du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Comment nous sommes à Jourdé, parce que nous sommes à Jourdé. Et nous sommes à Jourdé, parce que nous. Vous comprenez? Comme mon petit frère là-bas, Sanisset m'avait dit. Vous comprenez? Elle dit, mais viens, je ne comprends pas. Il dit, mais donc, il y a un totère, il dit, mais ça, c'est qu'on est gagné. Tout ce que je veux dire, non, non, n'achetez pas. Zoamai na yo, priez pour n'angobuka ma bolongo, rejoie guérison. Qu'aucun de son maïté. C'est contraire aux Écritures, les salarités. Tout ça pour un autre évangile et bandagi kuna. T'as la niveau à ce qu'on est spirituel. On avance. Alors que kuna, tout en guise critique, c'est la haute ou tangawa. Maintenant, quoi faire là-bas? Allons-y. 3. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui lui ont engendré lui diront, tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui lui ont engendré lui transperceront. Vous voyez que beaucoup de prophètes qui sont là-bas, ministère, il y a mensonge, tout ça, dans mon lieu, ils ont séduit le bateau. Les diables utilisent ces ministères là-bas. Vous comprenez? De la prophétie. Faut percer les gens là. Vous comprenez? Ne parlez pas de la part de l'Éternel. On avance.
4. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Pourquoi? Ils resteront sur la révélation du jour, la révélation de Sud, soit pour aller chapitre 10. Et c'est ça les salis du jour. On avance. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète. Je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui dit, on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Les Juifs qui vont demander à Jésus, verset 6. Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Bango de papa ndeko bawo zela mais na bolingo nyonso aye avec les mains il n'a pas reconnu maintenant il a dit ici dans la maison de ceux qui m'aimaient parce que les écritures sont claires. Voilà, et puis on quitte 6 maintenant, là on tombe dans Romains chapitre 11:13-31. Je pense pas que je vais tout lire à cause de votre temps, parce que je vois que mon temps est déjà passé, mais vous allez pouvoir lire Romains chapitre 11 jusqu'à 31, c'est un long chapitre que nous avons préparé. Romains chapitre 11. Nous n'allons pas lire ça. Nous allons lire simplement quelques versets. Je pense que les récits sont clairs. Vous avez tout compris là-bas. Je vais lire simplement quelques versets et puis je m'arrête. Donc voilà, c'était comment 13-31. Bon, je vais lire simplement quelques versets. Hein. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens. Là, Paul le dit. Pourquoi Dieu lui a appelé dans Acte 9? Parce que les Pierre et les autres, papa, ils ont traîné comme des Juifs. Il a appelé Paul à changer. Donc, Dieu fait prendre des pierres, faire deux des enfants d'Abraham. Il a pris une pierre, Paul, qui persécutait les chrétiens. Il a fait de lui un fils d'Abraham pour nous. Être notre prophète. Le premier ange qui a mis le fondement de notre foi. Vous comprenez? Et le deuxième est venu, René, Colomba, Martin, Luther, Wesley, William Branham, septième. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est comme ça que le Seigneur opère. Alléluia. Je vous l'ai dit à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, enfin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Et quand on a dit jalousie, vous n'avez pas? Que Dieu vous bénisse. De ceux de ma race, d'en sauver quelques-uns. 15. Car si leur mise en écart a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration? Sinon, le passage de la mort à la vie. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches sont aussi. 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, nous, les gens des païens, les gens des nations, un olivier sauvage, et tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, voilà la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous confessons, nous vivons le temps de la grâce. T'as la source. Dieu les a aveuglés pour nous. Voilà. 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Mon église, moi qui vous dis, toi, moi est belé. Qui es-tu? Une créature sauvée par la grâce. Il faut se glorifier vraiment. Nous devons être humbles, inutiles, parce que nous sommes des esclaves pour les autres. Mais l'argent. Et comprenez, quand quelqu'un vient avec les mois, ça kota kala, kendana se kala, influence na zoangokuna. Il a la popularité aux alaïdétés. Bon, moi, il saute les autres termes bien. La popularité, on est aux alaïdétés. Jésus l'en a fait, non? Vous comprenez? Cela est vrai, ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Nous avons commencé à parler ici. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, les Juifs,
Vous comprenez? Il t'épargnera pas non plus. Tomiko Sarati, Babilo, Bazo, Sarab Sabalo, Koutan, Pasteur, moi, Limita, on va pas en pambana, que non, il ne croit pas à la prédestination. Ça, c'est une conception païenne. Vous rejetez les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Paul. Ils conduisent leurs églises contrairement à ce que Paul avait dit. Alors, c'est lui qui a mis les fondements. Frère Abraham est venu, il a dit que non, j'ai prêché comme Paul. Si je contredis Paul, là, je contredis la volonté de Dieu. Terminons. Alléluia. 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. 23. Eux de même, s'ils ne périssent pas dans l'incrédulité, ils ne persistent, pardon, dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Donc, quand les deux prophètes ont accueilli la bombe, le boy, Batikali n'a fonctionné. Yo, Kendara. Voilà. Greffé de nous. 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon ta nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, amen, à plus forte raison, elles seront-ils greffées selon leur nature sur leur propre olivier? Oh Seigneur. Terminons 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, enfin, que vous ne vous regardez point comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la moitié des païens soit entrée. Cela veut dire, il y a autant qu'il y en a une tierce, seront ceci, une partie, resteront donc. Il n'y a que peu entre qui croient en Jésus. Les autres, depuis ce temps-là. Vous comprenez? Donc ici, on devait continuer de 26 jusqu'à la fin 33. Je ne sais pas ce que je peux lire. Où on s'arrête parce que le temps est déjà avancé. Je vais plus dîner. Bon, laisse-moi lire rapidement. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon ce qui est écrit. Alléluia. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impies. Et ce sera mon alliance avec eux. Là, on entre dans 70 semaines, le subit de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Les réponses sont là. Voilà. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Voilà. Quel était leur péché? Qu'il soit crucifié. Son sang retombe sur nous. Autant que même Jésus est mort à l'Épisode dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 2. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont. Nous avons dit prédestination à Yoke élection. L'élection, c'est la prédestination, la préscience. Ils sont aimés à cause de leur père, car les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. 31. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous est été faites, ils obtiennent aussi miséricorde. Voilà comment est-ce que Dieu est juste et bon. 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Il y a un des vertiges. Au Bible, comment m'a bêté, il y a un des comprendre. Il y a un des autres. Amen. Amen. Et ces voix sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné les premières? Ou qu'il aille à recevoir en retour. 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont
toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas rien qu'on a gardé ici. On a lu. Merci pour votre temps. Bon dimanche chez vous. On n'a pas de commentaires à faire. On a tout dit. Tu as tout avec toi, avec ces écritures ici. Prenez-y, lisez, croyez. Quelque chose vous arrive, dites au Seigneur. Tu as dit. Et vous aurez la réponse correcte. Restez là patient, quelle que soit la douleur pouvait être, quelle que soit l'humiliation, quelle que soit les souffrances, quelle que soit la situation, peut sembler difficile, restez-y, vous aurez la solution. À ce qui concerne ce que nous venons de dire ici, vous voyez correctement et clairement que nous ne pouvons pas adorer comme les sabbats. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté, ils sont aveuglés. Comment retourner là où Christ a quitté? Nous adorons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la résurrection du roi, le Sunday, le roi soleil, le jour du fils, le soleil levant s'est ressuscité, les sorties, vous comprenez? Et nous sommes, Frère Branham dit, nous sommes ressuscités, nous étions crucifiés avec lui, nous sommes sortis pour lui manifester, vous comprenez, le fils de Dieu manifesté, et enfin de faire quoi? Enfin de... Donc, vous savez, avant de lui manifester, devons ressusciter ensemble. C'est pourquoi nous commémorons cette résurrection aujourd'hui. Ceux qui adorent hier, les samedis, les adventistes du septième jour et les autres, vous adorez contrairement aux Écritures parce que vous n'êtes pas des Juifs. Nous sommes les gens des nations. L'apôtre Paul nous a parlé ici. Nous venons le dimanche pour commémorer la résurrection du roi. Chaque dimanche, nous devons être. Vous comprenez, Sunday, les jours du Fils, le soleil levant. Vous comprenez? Donc voilà, les premiers jours. Donc il n'y a rien de calendrier romain, il n'y a rien de catholicisme ici. C'est les Écritures. Vous comprenez? Donc restons-y. Que Dieu vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche chez vous. Donc voilà, on termine. On vous montre simplement la beauté de l'endroit, que c'est que nos pays nous laisse. Donc voilà la beauté des endroits. Donc cela veut dire des pays des autres. Derrière moi il y a un jardin ici, vous voyez, voilà, on y est. Bénis l'Éternel, la beauté. Donc ça veut dire que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom, je vous aime beaucoup. Dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, nous serons ensemble avec vous. Alléluia.